Salut les coureurs, salut les triathlètes. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la série T-Coach. À quoi ça sert ? Aujourd'hui, on va parler de l'allure qui fait peur, le seuil. Le seuil, c'est une allure, comme dirait Jack Daniel, le mythique coach américain, confortablement difficile. On peut la tenir en course entre 20 et 60 minutes selon son niveau. Là, pas de conversation possible. On peut échanger quelques mots avec son collègue d'entraînement, mais pas plus. Pour ceux qui aiment les chiffres, elle correspond à 86 à 88% de votre VMA, 88 à 90% de votre fréquence cardiaque maximale. On peut déterminer la vitesse du seuil avec un test de 20 minutes. Car la vitesse du seuil, c'est 95% de la vitesse atteinte pendant ce test. On appelle ça seuil car c'est le moment où l'organisme qui travaille en aérobie quand on court, c'est-à-dire qu'il utilise l'oxygène, n'en trouve plus assez. Il est important de ne pas courir au-dessus du seuil sur des épreuves longues car le réservoir énergétique se baisse très vite et vous vous retrouvez très rapidement à être obligé de ralentir. L'entraînement à cette allure permet soit de prolonger le temps que l'on peut tenir au seuil, soit d'augmenter la vitesse que l'on tient. Cela ne doit pas dépasser 10% de votre temps d'entraînement de la semaine. C'est une allure qui est très éprouvante et il faut donc prendre le temps de récupérer après chaque séance. Pour tous les gens qui dépassent le semi-marathon en compétition, c'est une allure indispensable à travailler. Vous pouvez le faire de façon continue ou en fractionnant cela, par exemple 3 fois 10 minutes au seuil avec 3 minutes de récupération. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve bientôt pour parler d'allure marathon. En attendant, une seule chose à faire, allez vous entraîner. Et si vous avez 2 minutes, likez la vidéo, abonnez-vous, ça me donne envie de continuer. Courez bien les gars, et les filles bien sûr.